Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une brioche pur beurre. Il nous faudra du beurre, du sel, de la farine, du lait, de la crème liquide, du sucre, de la levure et des œufs. On va commencer par réactiver la levure dans le lait. On va mettre le sel dans le bol du robot, le sucre, suivi de la farine. De la crème liquide. Des œufs. On va commencer à pétrir sur position 2. Et on rajoute à la fin notre mélange lait levure. Et on va laisser pétrir pendant 15 minutes. On va couper le beurre en petits morceaux. Et au bout des 15 minutes, nous rajoutons notre beurre. Et on va laisser pétrir jusqu'à l'incorporation totale du beurre. Le beurre a bien été incorporé. On va éteindre le robot. On a mis notre pâte dans un saladier. Que nous allons recouvrir d'un film alimentaire. Afin de la laisser reposer toute une nuit dans le frigo. Ma pâte a reposé environ 16 heures dans le frigo. On va fariner légèrement notre point de travail. On dépose notre pâte à brioche sur notre point de travail.
On va la dégazer. On va former une grosse boule. Que nous allons diviser en deux. La première partie, je l'ai divisée en quatre. On va former quatre boules pour les déposer dans un moule. On va recouvrir notre brioche avec un linge propre que nous allons laisser reposer pendant une heure et demie. Et avec la deuxième partie, nous allons la diviser en trois morceaux. Avec lesquelles nous allons faire de longues ficelles. Et que nous allons tresser. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir dire dans vos commentaires pur beurre. Comme pour la précédente brioche, nous allons la recouvrir et la laisser reposer pendant une heure et demie. Dans une tasse, nous allons mélanger un jaune d'œuf avec un peu de lait. Et nous allons badigeonner nos brioches avec notre préparation, lait et jaune d'œuf. On n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. On va enfourner nos brioches 15 à 20 minutes à 180 degrés. On va laisser refroidir nos brioches sur une grille. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre fidélité. Et maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux !